Quelle approche utiliser pour la formation des prestataires sur la prise en charge communautaire et intégrée de la malnutrition aiguë? La formation du personnel soignant sur la prise en charge communautaire et intégrée de la malnutrition aiguë sévère ne devrait se réaliser sans pour autant penser à organiser des sessions pratiques pouvant permettre aux apprenants de maîtriser certaines techniques relevant des applications cliniques de la nutrition. La complexité de traitement de la malnutrition aiguë sévère exige que les attitudes et pratiques de la part du personnel soignant puissent refléter les meilleures connaissances acquises à travers les formations reçues. La mise en place de l'approche communautaire pour la prise en charge des cas ne devrait pas être synonyme de relâchement des responsabilités de la part du personnel des organisations humanitaires en charge de la mise en œuvre au détriment des personnels du ministère de la Santé et de la communauté qui se voient de plus en plus impliqués. Bien que la communauté prenne plus de responsabilités sur le traitement de la malnutrition avec la nouvelle approche, cependant, le personnel soignant reste responsable du devenir des personnes malnutries, à l'instar de tous les autres malades à sa charge. De nombreuses observations directes et participatives sur le terrain ont mis en évidence certaines attitudes et pratiques de la plupart des prestataires qui remettraient en cause la qualité de la formation reçue. Les connaissances théoriques acquises lors de la formation ne sont pas mises en pratique de manière satisfaisante. Des erreurs techniques commises, soit par inadvertance, soit par manque de maîtrise, ont des répercussions significatives sur le devenir des bénéficiaires sous traitement nutritionnel. De nombreuses erreurs sont observées au niveau des différents points du circuit de la prise en charge des cas, depuis l'identification des cas jusqu'à la sortie du programme de prise en charge. Par exemple, dans la communauté. Lors de la mobilisation communautaire, le personnel en visite à domicile, une fois dans la communauté, ne devrait pas partir en masse faire les ménages de peur d'impressionner et de frustrer. Pendant le dépistage actif, un personnel non identifié paraît étrange, il lui sera difficile même de mesurer le périmètre brachial d'un enfant faute de collaboration. L'enfant doit être aussi sensibilisé pour obtenir sa collaboration. C'est du devoir du personnel ou des relais communautaires de préparer psychologiquement l'enfant et sa mère pour la réussite de la technique. L'entretien à domicile avec le responsable du traitement de l'enfant, en l'occurrence sa mère ou son père, la visite de suivi des cas pris en charge devrait se passer dans un climat serein et discret. Retenons que la discussion porte sur l'évolution de la santé du bénéficiaire et que l'entourage présent comme spectateur pourrait limiter la communication sur la situation exacte de l'enfant en charge. La discrétion en matière de santé l'oblige. En rapport avec l'éducation nutritionnelle dans la communauté, le personnel en charge ou relais communautaire devrait se mettre au même niveau que tous les membres du groupe pour discuter à égalité. Il devrait plutôt laisser parler le groupe et orienter les discussions à l'aide de questions. Il devrait toujours se munir d'un support pédagogique ou, au besoin, réaliser une démonstration culinaire selon le thème du jour. Au centre de santé. À l'admission, des erreurs de prise, des mesures anthropométriques peuvent faire admettre des cas qui ne sont pas malnutris sévères ou peuvent porter préjudice aux cas avérés. Pour la prise de poids, observez la localisation de la balance par rapport à la hauteur des yeux et la corde utilisée. L'usage de la balance halter graduée à 100 g près serait recommandé. La prise de périmètre brachial. La technique paraît facile à exécuter, mais le contraire est souvent observé pour la plupart des cas. La technique de vérification des œdèmes devrait se faire avec plus de délicatesse. Le test d'appétit devrait se réaliser dans un climat serein, tout en respectant le processus.
La préparation de l'accompagnante et du bénéficiaire est très indispensable pour obtenir leur collaboration. Expliquer à la mère le but du test et le résultat attendu. À l'hôpital, l'anamnèse et l'examen clinique réalisé par le médecin traitant de la pédiatrie à l'admission ne devraient pas se faire à la hâte. La détection des complications médicales ou des pathologies associées à la malnutrition exige une rigueur dans tous les actes posés lors de la première rencontre entre le médecin et le bénéficiaire. Un problème passé inaperçu à l'admission sera difficile à découvrir en hospitalisation. Ainsi, à titre d'exemple, si le clinicien n'a pas fait allusion à la vérification de la coloration des conjonctives palpébrales pour détecter l'ampleur de l'anémie à l'admission, 48 heures après, sous régime du lait F75, le bénéficiaire fait de l'hémodilution facilement confondue à l'anémie. Cela peut embrouiller le tableau clinique du bénéficiaire par désorientation de l'équipe soignante. Le schéma classique décrit par le professeur Mike Golden pour l'anamnèse et l'examen clinique de l'enfant mal nourri sévère reste valable. La prise en charge des petits pois requiert une certaine technicité appelée TSS, technique de supplémentation lactée par succion. En plus de la sensibilisation sur l'allaitement maternel et la prise en charge de la mère. Formation des relais communautaires. L'intégration de la prise en charge communautaire de la malnutrition dans le système de soins de santé repose essentiellement sur les compétences locales disponibles dans les structures de santé et dans la communauté. Le personnel des organisations humanitaires en charge de la mise en œuvre, dans ce contexte, joue plus un rôle de renforcement des capacités techniques à travers des formations et des recyclages réalisés fréquemment, soit sous forme de sessions pratiques dans les structures hospitalières ou sous forme de séminaires-ateliers. La formation des relais communautaires sera toujours beaucoup plus pratique que théorique. Pendant la formation, après une brève explication de la technique par le formateur, ce dernier soumettra chaque participant à un test pratique. Par exemple, pour la formation sur la prise de périmètre brachial et la vérification des œdèmes, le formateur prendra soin de ramener un cas typique pour la pratique. Ainsi, par l'observation directe et participative, les participants assimileront plus efficacement la leçon apprise. L'évaluation des connaissances acquises est toujours réalisée à la fin de la session. Enfin, les participants sont encouragés et félicités pour leur assiduité. Étant volontaires et bénévoles, les relais communautaires sont fréquemment encadrés par l'équipe des superviseurs dans la communauté pendant l'exécution de leurs tâches pour éviter toute forme de découragement. Le recyclage est organisé lors des visites à domicile, accompagné par les superviseurs, pour permettre aux relais communautaires d'améliorer et de consolider leurs connaissances. C'est la maman.
11 au lieu de 14. Donc aujourd'hui nous sommes le 15, ok? C'est-à-dire que nous sommes au troisième jour. Oui, troisième jour. Ça fait troisième jour. 4, c'est 12, ça fait 12. 12. Et là-bas vous avez combien? 11. Prise des mesures anthropométriques. Les mesures anthropométriques devraient être prises avec beaucoup plus de précision pour éviter la désorientation des cas. Prise de poids. On utilise pour les enfants une balance d'une capacité maximale de 25 kg et graduée en division de 100 g suspendue sur une corde solide et bien attachée. Évitez l'usage de cordes pouvant se détacher facilement. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'aiguille de la balance se trouve sur le point zéro et que le cadran de la balance soit à la hauteur des yeux de la personne qui prélève le poids. Préférez plutôt la balance salteur, elle est plus fiable. Les vêtements et les chaussures de l'enfant doivent être enlevés avant de le peser et l'adulte doit être le moins vêtu possible. Pour les adultes, on utilise une balance d'une capacité minimum de 120 kg. Les balances électroniques sont plus précises. C'est 38 kg. Prise de la taille. Afin de mesurer correctement l'adulte ou l'enfant, le mesureur doit être aidé par un assistant. Les enfants de plus de 2 ans ou de 87 cm ou plus seront mesurés debout. Les enfants de moins de 2 ans ou de moins de 87 cm en position couchée. Pour les enfants de 87 cm et plus, on installe la toise sur une surface plane. Les chaussures de l'enfant sont enlevées. On place les pieds de l'enfant sur la base de la toise, bien à plat, contre le plan postérieur. L'assistant maintient les chevilles et les genoux de l'enfant pendant que le mesureur maintient la tête et positionne le curseur. La tête, les épaules et les fesses doivent toucher la toise. La taille de l'enfant doit être précisée au dixième de centimètre près. Pour les enfants de moins de 87 cm, on place la toise à plat sur le sol. On allonge l'enfant sur la toise avec l'aide de la mère, les pieds du côté du curseur. L'enfant doit être au milieu de la toise. L'assistant prend la tête de l'enfant entre ses mains, au niveau des oreilles, et la maintient bien en place contre la partie fixe de la toise, l'enfant regardant droit devant lui. Le mesureur place ses mains juste au-dessus des chevilles de l'enfant ou sur les genoux. En maintenant bien les jambes, il place le curseur à plat contre le dessous des pieds de l'enfant, en s'assurant que ceux-ci ne sont pas décollés. Pour les adultes et adolescents, le protocole est le même que pour les enfants de 87 cm ou plus. Le périmètre brachial. Le périmètre brachial se mesure uniquement sur le bras gauche entre l'articulation de l'épaule et celle du coude. Demandez à la personne de déshabiller son bras gauche, l'aider si besoin. Lui demandez de plier son bras, la main sur son ventre au niveau de l'ombilique. Repérez le haut de l'épaule au niveau de l'articulation d'une main et de l'autre placez la fenêtre du muac sur l'endroit repéré. Faire glisser le muac le long du bras et mesurer la longueur totale entre l'articulation de l'épaule et celle du coude. Si la longueur dépasse celle du muac, repérez l'endroit de 30 cm et reportez le muac afin de connaître la distance totale.
Une fois cette manipulation faite, divisez la longueur totale par 2 et repositionnez le muac afin de repérer le milieu du bras. Gardez un doigt sur le repère trouvé, demandez à la personne d'étendre le bras. De l'autre main, enlevez le muac et positionnez la fenêtre du muac au niveau du repère déterminé. Faire glisser le muac autour du bras et faire entrer la languette dans la fenêtre et tirer. Faire attention à ce que le muac ne soit ni trop serré ni trop lâché pour une juste mesure. Une fois cette opération réalisée, lire la mesure en prenant comme repère les flèches situées en dessus et en dessous de la fenêtre. Convertir cette mesure en millimètres et vous obtenez la mesure du périmètre brachial de la personne. Les œdèmes. On estime que la présence d'œdèmes est une mesure car elle peut être codifiée et informe sur la gravité de la malnutrition. Les œdèmes sont évalués sur les deux pieds ou sur la face antérieure des deux jambes. On exerce une pression de 3 secondes et on la relâche. L'enfant présente un œdème si une empreinte du pouce reste marquée. On appelle cette empreinte le signe du godet. Caractéristiques des œdèmes nutritionnels. Les œdèmes nutritionnels sont bilatéraux et symétriques avec présence du signe du godet. Ils sont permanents et ne bougent pas avec la position. Ils sont récents et apparaissent d'abord au niveau du dos, des pieds et par la suite regagnent les jambes avant de se généraliser selon la gravité de la malnutrition. Il y a des escamations de la peau au fil du temps, allant jusqu'à des lésions suintantes. La technique de supplémentation par succion, TSS. La plus haute mortalité dans les unités nutritionnelles thérapeutiques intensives a été observée chez les nourrissons de moins de 6 mois. Ces enfants devraient en théorie être exclusivement allaités et de ce fait grandir de manière satisfaisante. Les objectifs thérapeutiques pour ces patients sont différents des autres catégories d'âge. Il ne s'agit pas de faire grossir l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un poids cible défini. Il s'agit de rétablir un allaitement maternel exclusif qui permettra à l'enfant de grandir normalement. Le traitement dans le service sera terminé dès que l'enfant prendra du poids sous allaitement maternel exclusif. Ces enfants sont donc généralement faibles et ont peu d'appétit. Ils n'ont plus la force de téter correctement et, par conséquent, de stimuler suffisamment la production de lait maternel. C'est pour cela qu'une technique de supplémentation par succion permet d'assurer la réhabilitation de ces enfants sans supprimer la lactation. Toujours demander à la maman d'allaiter l'enfant avant l'application de la technique pendant que l'équipe prépare le matériel nécessaire et la solution de lait pour la TSS. La supplémentation est donnée par une sonde nasogastrique numéro 8, numéro 5 étant trop petite. Le bout est coupé à 1 cm et le bouchon est enlevé à l'autre bout de la sonde nasogastrique. Le F100 dilué est mis dans une tasse. La mère tient la tasse à environ 10 cm plus bas que le niveau des seins
pour qu'il soit obligé d'aspirer lui-même. Le bout de la sonde nasogastrique est mis dans la tasse. L'autre bout est mis sur le sein de la mère qu'elle tient avec une main. Elle utilise l'autre main pour tenir la tasse. Lorsque l'enfant tète le sein, il tète aussi la sonde nasogastrique avec sa bouche. Le lait de la tasse est donc aspiré par l'enfant. Un à deux jours peuvent être nécessaires pour que l'enfant et la mère s'y habituent. La meilleure personne pour montrer à une maman comment utiliser la technique de supplémentation par succion est une autre maman qui l'utilise déjà correctement. La maman doit être relaxée et confortablement installée. L'enfant sera déchargé lorsqu'il sera suffisamment fort pour téter correctement et stimuler la lactation de façon à grossir normalement. Technique de kangourou. La technique de kangourou est exécutée en cas d'hypothermie. Avant de réaliser la technique, la mère sera sensibilisée pour obtenir sa collaboration. Cette technique consiste à réchauffer l'enfant en mettant sa peau contre celle de sa mère. L'infirmière aidera la mère à renfermer l'enfant sur son ventre, c'est-à-dire peau contre peau à l'aide d'un pagne. Et les deux seront enveloppés d'une couverture. La température corporelle est surveillée toutes les 30 minutes durant le réchauffement.
la technique de gavage. Cette technique est appliquée dans les cas suivants. Vomissement répétitif, anorexie, pneumonie avec fréquence respiratoire rapide, lésion buccale empêchant l'enfant de se nourrir par la bouche, par exemple candidose buccale. Impossibilité du patient de boire ou manger car trop faible ou inconscient et incapacité de déglutir, c'est-à-dire risque de fausse route. Asthénie. Avant l'application de la technique, la mère et l'enfant sont sensibilisés pour obtenir leur collaboration. Après préparation du matériel de gavage, l'infirmière se fait aider par la mère pour désobstruer les narines de l'enfant et ensuite elle se lave les mains. L'infirmière devra se rassurer que tout le matériel et les produits pour le gavage sont bel et bien disponibles. En l'occurrence, une sonde nasogastrique numéro 6, elle devra s'assurer de l'étanchéité de l'emballage de la sonde et de la date d'expiration. La sonde est retirée de l'emballage et déposée sur le chariot préalablement désinfecté. Une seringue, des compresses à usage unique, de l'eau distillée ou de l'eau physiologique pour lubrifier la sonde, du sparadrap, des gants, un stéthoscope, un marqueur indélébile et certainement la fiche de malade. Octobre 2014, donc c'est bon. Besoin des compresses. Des compresses à usage unique. À part les compresses, nous avons besoin de l'eau distillée. L'eau distillée ou eau physiologique pour lubrifier la sonde. Toujours voir l'intégrité et la date d'expiration, c'est au mois d'août 2013. D'accord? Là, nous avons besoin du sparadrap. Et là, nous avons encore besoin des gants. Nous avons nos gants. Ça va? Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider déjà à déchirer le sparadrap? Oui. À part le sparadrap, nous avons besoin du stéto. Avant de pratiquer cette technique, l'infirmière devra mettre des gants. En tenant l'extrémité de la sonde contre le nez de l'enfant, mesurer la distance entre le nez et le lobe de l'oreille, puis entre le nez et l'appendice xiphoïde. Marquer ce point sur la sonde à l'aide du marqueur indélébile. Mouiller l'extrémité de la sonde avec de l'eau distillée ou de la vaseline. Tenez fermement l'enfant en gardant sa tête haute. Introduisez la sonde dans une narine, puis poussez doucement. Avant de commencer, nous allons d'abord répertorier nos deux repères pour savoir la distance entre le nez et l'estomac. On commence par le premier repère, c'est maman. Et Sili, Aya. De l'oreille vers le nez. Premier repère. Et du nez, Vandi, ça est bien. Et du nez vers l'estomac. L'estomac est à plus ou moins 8 cm sous le sternum. Là. Ça va? Ok. Donc voilà la distance qui va entrer. Avec le marqueur indélébile. Aidez-moi à ouvrir l'eau distillée pour lubrifier un peu. Nous allons
Simba, maman, bien, maman. Avant ça, nous allons demander à l'enfant, hein, à la maman de bien tenir la maman, que la tête soit un peu en avant, hein, qu'elle regarde un peu en avant pour dégager l'œsophage. Et nous allons introduire la sonde horizontalement dans la narine. Et cela, on va le faire tout doucement. Vous pouvez passer ici pour maintenir l'enfant. De Sili Nadine, Nadine et Sili, Simba mon alobo. Et Sili, hein, maman? De Sili, et Sili. Simba et on le fait lentement, tout doucement. Voilà. Voilà. Donc il faut être, il faut toujours vérifier que ça ne sorte pas par la bouche. Vérifier que la sonde ne sorte pas par la bouche. Et pour reprendre cette technique causée par la déviation, la lubrification est de nouveau nécessaire avant de recommencer. Lors de l'introduction de la sonde, veillez toujours à vérifier la marque à ne pas dépasser sur la sonde. Faut voir toujours si ça ne ralentit. Si elle tousse, c'est que c'est parti. Ah, voilà. Mais là, Essili. Toujours vérifier notre main. Nous ne sommes pas encore à voilà, on s'arrête là. Normalement, le passage de l'estomac ne rencontre pas de résistance. Quand vous avez atteint le point marqué sur la sonde, arrêtez et fixez cette dernière sur le nez avec du sparadrap. On va essayer d'aspirer, voir si nous sommes dans l'estomac. Il paraît que la maman a donné un peu d'eau il n'y a pas très longtemps. Voilà, rien ne revient. Ça, c'est le premier test pour voir si nous sommes dans l'estomac. D'accord? Deuxième test, donnez-nous le mettez dans l'oreille de maman Lili. Et Sili Nadine. Aspirez une petite quantité de liquide gastrique avec une seringue pour confirmer que la sonde est en place. Vérifiez que le liquide est acide. Il fait virer au rose le papier de tournesol bleu. Vérifiez si ça fonctionne. Ça va. Okay. Nous allons aspirer au moins 10, hein, 10 ml d'air seulement. Vous allez écouter, hein? Et Sili, Nadine et Sili, hein? Amen. Si vous n'aspirez rien, confirmez la position de la sonde par une radiographie de l'estomac ou bien injectez de l'air et auscultez l'abdomen avec un stéthoscope. Cette méthode n'est cependant pas exempte d'erreur.
Si la sonde est en place, vous devez entendre l'air entrer dans l'estomac. Si la sonde n'est pas dans l'estomac, l'aspiration ne modifie pas la couleur du papier tournesol et on n'entend pas l'air injecté dans l'abdomen. Au moindre doute, retirez la sonde et recommencez. Une fois la sonde en place, adaptez une seringue de 20 ml sans piston à son extrémité et versez-y des liquides et aliments liquides qui descendront dans l'estomac par gravité. Vous pouvez laisser une sonde nasogastrique en place durant plusieurs jours. Si vous avez un doute, vérifiez sa position avant d'alimenter l'enfant. Chez certains jeunes nourrissons, l'obstruction d'une narine peut provoquer une détresse respiratoire. Si vous devez donner de l'oxygène par une sonde nasopharyngée en même temps, passez les deux tubulures par la même narine et essayez de garder l'autre fonctionnel en enlevant les croûtes et les sécrétions. Réalisation du test d'appétit. Expliquez à l'accompagnante le but du test et son déroulement. Vérifiez et déterminez avec l'accompagnante quand est-ce que l'enfant a mangé et bu pour la dernière fois. L'accompagnante, l'enfant et l'infirmière doivent tout d'abord se laver les mains et ensuite nettoyer le sachet de l'ATPE pour éviter les microbes. Elle doit s'asseoir confortablement avec l'enfant sur ses genoux et lui offrir le sachet d'ATPE dont la patte est poussée vers le bas, ensuite ouvrir là où la flèche est indiquée ou mettre un peu de pâte sur son doigt ou à la bouche de l'enfant. D'abord, il faut chasser la pâte vers le bas comme ça.
après, on va voir là où il y a une flèche qu'il faut ouvrir. On va déchirer comme ça. Et pour ça, il ne faut pas utiliser le ciseau. Hein. Et puis, on va remettre à la maman. L'infirmière doit demander à l'accompagnante de se mettre dans un endroit calme, car un enfant peut refuser de prendre la TPE parce qu'il est effrayé et a peur de l'environnement ou du personnel. Si celui-ci refuse, elle doit alors continuer gentiment à l'encourager et prendre son temps. L'enfant ne doit pas être forcé. Il faut offrir à l'enfant de l'eau dans une tasse pendant qu'il prend son ATPE. Ensuite, décider si le résultat du test de l'appétit est positif ou négatif. Pour cela, on procède 1. Au calcul de la ration journalière en ATPE pour l'enfant. 2. À l'estimation de la ration de l'ATPE par repas. 3. À la vérification de la quantité consommée lors du test. Et signalons que le test est positif lorsque l'enfant consomme au moins la moitié de la ration par repas correspondant à son poids. Une fiche de suivi est ouverte pour les différentes indications par rapport à son poids. Et l'infirmière va évaluer si le test d'appétit est positif ou pas. Alors pour ça, il y a un tableau qu'on utilise, il y a un tableau de l'évaluation du test d'appétit qui est juste là. Ça dépend, comme on a dit, ça dépend du poids de l'enfant et de la quantité qu'il a consommé. Moins de 4 kilos, c'est un huitième de sachet, et ainsi de suite. Pour notre enfant, il a pesé 9 kg 100. 9 kg 100, c'est ici. Il doit consommer au moins la moitié du sachet pour dire que le test d'appétit est positif. Alors, celui-ci, son plombinate est là. Donc, déjà, je regarde, c'est déjà la moitié. C'est plus que la moitié même. Donc, ça veut dire que le test d'appétit est positif. Même à la maison, il va bien consommer son plombinate. Après avoir évalué l'appétit, on va passer ici. On va ouvrir une fiche et donner le traitement. Normalement, le plombinate se donne en fonction du poids, et il y a une quantité qu'il faut donner par jour et par semaine. Puisque le rendez-vous à l'UNTA, c'est une fois par semaine, on va donner la quantité par semaine et on va expliquer à la maman comment elle va donner ça à la maison ou combien elle doit donner à la maison. Pour notre enfant, il pèse 9 kg 100. 9 kg 100, on est ici, entre 7 kg et 9 kg 900. Cet enfant doit prendre 3 sachets de plombinate par jour, et ce qui fait 20 sachets par semaine. C'est un aliment qui a déjà été préparé, qu'on ne doit pas diluer. Donc, et aussi insister sur la conservation du plombinate à domicile. C'est quelque chose que le rat, les insectes aiment bien. Donc il faut dire à la maman que quand tu donnes ton plombinate, et que l'enfant n'est pas obligé de terminer ça une fois. S'il n'a pas fini, on peut prendre et peut utiliser un bol bien. Ici, par exemple, supposons que l'enfant a mangé ça à la maison et qu'il n'arrive plus à terminer ses sachets. On va chasser comme ça. Et je vais plier ça comme ça et garder dans un pot avec couvercle. Dès que l'enfant a encore faim ou il réclame son plombinate, la maman va redonner. Ok? C'est un aliment médicament qui est déjà préparé, qui ne nécessite pas de cuisson ni de dilution. Vraiment, il faut expliquer ça à la maman, sinon il y aura des abus à la maison. Donc, expliquer également que c'est une pâte d'arachide qui contient le médicament. Il ne faut pas donner ça avec d'autres enfants qui sont en bonne santé. Il ne faut pas distribuer ça et il ne faut pas laisser à la portée de tous les enfants. Sinon, ils vont détourner ça pendant que la maman n'est pas là.
Et aussi, chaque jour de rendez-vous, la maman doit ramener le sachet vide. Dès que l'enfant finit de consommer son plantinat, elle prend le sachet vide et garde quelque part. Le jour où elle va se présenter au centre de santé, elle doit venir avec ses sachets vides et doit remettre ça à l'infirmier avant qu'on lui serve une autre quantité. Les patients qui ne réussissent pas le test doivent être référés pour un traitement en unité nutritionnelle thérapeutique intensive, HGR-CSR. Notez bien, même si l'accompagnant et le personnel de santé pensent que l'enfant ne prend pas la TPE parce qu'il n'aime pas son goût ou sa texture, ou a peur, il a tout de même besoin d'être pour un temps probablement court dans une structure de santé HGR-CSR, car il sera possible qu'il ne le prenne non plus à la maison. Mise en œuvre de la prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë. Mobilisation communautaire au démarrage du projet. En début du projet, le personnel de l'organisation responsable qui appuie la mise en œuvre organisera une rencontre regroupant les différentes autorités tant sanitaires que politico-administratives. Le but de la première rencontre est de passer l'information à l'autorité pour obtenir sa collaboration dans la mise en œuvre du projet. La deuxième rencontre est effectuée dans la communauté conjointement entre l'équipe promotrice de la prise en charge et celle des autorités locales pour informer les leaders communautaires de la mise en œuvre du projet. Ces derniers seront informés en avance pour préparer le cadre d'accueil et de discussion. Cette rencontre est effectuée chez le chef du village. Arrivé chez le chef, c'est le représentant local qui lui présente la délégation. L'appropriation des activités de prise en charge a lieu lors de la toute première rencontre entre l'équipe promotrice et l'autorité. Cela étant l'objectif ultime de la prise en charge communautaire de la malnutrition. La discussion portera sur la problématique de la malnutrition dans la zone et sur l'engagement de la communauté à se prendre en charge pour lutter contre la malnutrition. Pendant la discussion avec le chef du village, la délégation s'informera sur la nécessité de rencontrer le groupe de femmes et le représentant des relais communautaires. À cette occasion, un rendez-vous est fixé le jour suivant. Une série de rencontres est organisée au début de la mise en œuvre avec les différents groupes de la communauté. Après explication de l'objectif du traitement de la malnutrition dans la communauté, un débat sera ouvert pour écouter le groupe parler de sa connaissance de la malnutrition et des stratégies de lutte. L'idée étant d'apprécier quel serait le degré d'implication de la communauté dans la prise en charge. Ici, l'objectif final est de s'assurer que la communauté prendra ses responsabilités sur la prise en charge. La mise en œuvre effective. Avant le démarrage effectif des activités, les relais communautaires et le personnel des structures de santé seront formés. La formation des relais communautaires, à l'instar des autres formations, sera plus animée par des sessions pratiques que théoriques. Au démarrage du projet, cette formation portera essentiellement sur le dépistage actif. La formation des prestataires sera également animée par des sessions pratiques au niveau de l'hôpital et des centres de santé. Notons que dans les structures, la formation se passe en même temps qu'on admet les cas. Le dépistage actif. Après la formation des relais communautaires sur le dépistage actif au périmètre brachial, une descente sur le terrain est organisée conjointement entre l'équipe ACF et celle du bureau de la zone de santé en accompagnement aux relais communautaires pour procéder au dépistage de masse. Cette première descente conjointe permet à l'équipe non seulement de recruter les nouvelles admissions, mais également de continuer la formation pratique dans la communauté et en même temps évaluer le niveau de connaissances acquises lors de la formation dans la salle ou dans l'auditoire. À l'issue du dépistage actif guidé par l'équipe des superviseurs,
Les cas graves identifiés avec suspicion de complications médicales et nécessitant une prise en charge nutritionnelle thérapeutique intensive seront référés vers l'hôpital. Unité nutritionnelle thérapeutique intensive, UNTI. La prise en charge nutritionnelle thérapeutique intensive est assurée par l'équipe médicale de la pédiatrie avec l'appui technique des superviseurs ACF et du bureau central de la zone de santé. Cette prise en charge nutritionnelle est à base de lait thérapeutique. Pour les enfants admis en pédiatrie, le repas de lait sera donné soit directement au gobelet sous la surveillance de l'infirmière, soit administré à travers la sonde nasogastrique pour l'enfant présentant une faiblesse extrême et ne pouvant pas boire directement au gobelet. Pour les cas de petits pois admis au sein de l'unité thérapeutique intensive, le lait sera administré par la technique de supplémentation par succion TSS pour stimuler en même temps la montée laiteuse. La surveillance des enfants en charge dans l'unité nutritionnelle intensive est de rigueur compte tenu des risques de mortalité élevés que représentent ces derniers. Ainsi par exemple, en cas d'hypothermie, l'infirmière appliquera la technique de kangourou pour réchauffer l'enfant. La consultation médicale sera faite tous les jours par le médecin dans la pédiatrie, à l'issue de laquelle des recommandations d'usage pour orientation des cas seront fournies aux infirmières. Les enfants dont l'évolution est bonne passeront au test d'appétit pour décider de leur sortie en cas de test positif de l'unité nutritionnelle thérapeutique intensive vers l'unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire, entre autres vers le centre de santé. Unité nutritionnelle thérapeutique ambulatoire, UNTA. Au centre de santé, la prise en charge nutritionnelle thérapeutique ambulatoire est intégrée à travers les activités suivantes. Le dépistage passif et orientation des cas. Les enfants référés étant dans les critères passent systématiquement au test d'appétit pour exclure les complications médicales en cas de test positif et ainsi poursuivre la prise en charge de l'enfant au centre de santé. La consultation médicale sera réalisée par le médecin ou l'infirmier du centre de santé. L'anamnèse et l'examen clinique de l'enfant mal nourri aigu sévère sont faits minutieusement et de manière approfondie pour éviter de faire passer inaperçu un problème médical grave lors de l'admission pouvant remettre en cause le pronostic vital de l'enfant. Le schéma classique de l'anamnèse et examen clinique de l'enfant mal nourri sévère, tel que recommandé par le professeur Dr. Mike Golden, est appliqué rigoureusement par le clinicien. Ainsi, l'enfant sera examiné de la tête aux pieds, en passant en observation toutes les parties du corps, organe par organe. L'auscultation de la cage thoracique est indispensable, ainsi que la palpation et la percussion de l'abdomen. La vérification des œdèmes clôturera l'examen clinique. La distribution des médicaments et de Plumpin' Nut pour le traitement systématique à prendre à domicile sera réalisé par l'infirmière du centre de santé après une explication à la mère du mode d'emploi et de la surveillance de l'enfant. Après avoir compté le médicament, elle prend et met dans l'emballage médicament
Vous avez compté? Non. C'est 14, c'est bien. Voilà. Je fais ça comme ça et j'écris ici sur le sachet le nom du médicament. Effacez d'abord le premier médicament. Et mon anatomie. Amoxicilline. 2 fois 1 250 mg. 250 mg. Et deux fois, je vais écrire ici le dosage. Hein. Deux fois un comprimé par jour pendant 7 jours. Et on va remettre. On va remettre à la maman les médicaments et on va expliquer comment donner ces médicaments à la maison. L'éducation nutritionnelle est organisée en petits groupes d'accompagnants de bénéficiaires en attente de consultation. Un seul thème pour la nutrition animera le débat. L'infirmière utilise un support pédagogique pour illustrer les informations transmises. Elle laisse les participants s'exprimer librement par un jeu de questions-réponses. Pendant le débat, son attention est focalisée surtout sur les personnes qui paraissent calmes pour les faire parler. La séance se clôture par une évaluation rapide des connaissances acquises lors de la leçon du jour. Na félicité bine panza benanga ya mawa. Bayo papa nanga, bayo. Merci na baminga ngumengu jela mono mwana. Kana kelvenga bubi abirigeti mwana fe. Nzambi ku kebe pe.